Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans Hors-Jeu. Aujourd'hui, on est au Sport Plaza avec Aïssa Benjelloun, avec qui on va partir de se parler de son métier, celui d'agent de joueur. Tout d'abord, merci pour l'invitation, merci à Zama et à toute l'équipe. Le métier d'agent, c'est la rencontre entre deux passions, celle du foot et des gens. La passion du foot, j'y berce depuis que je suis tout enfant et je suis fan de plusieurs équipes et tout mon temps libre est dédié au foot. Et la passion du social, dans la mesure que le foot reste vraiment un levier social qui permet de sortir les jeunes un petit peu de leur galère quotidienne. Donc, qu'est-ce que ça implique d'être agent de joueur ? C'est d'abord un métier d'homme et un métier de social où il faut beaucoup de présence. Et puis, c'est aussi un métier où la confiance est primordiale. On est agent d'abord. On peut être soit l'agent d'un joueur, soit mandaté par un club. Un agent est une personne qui a un mandat. Est-ce que c'est difficile de trouver les lieux où passer les examens, etc., tout ce qui est information autour de ce domaine? Malheureusement, ça ne communique pas encore assez. L'information reste difficile à trouver. À part le site de la Fédé, il est très difficile de trouver un interlocuteur au sein même de la fédération. Vu qu'il y a un manque d'informations, où est-ce qu'il faut s'adresser pour s'inscrire? Ça se passe essentiellement à Rabat. La fédération communique via son site. Et pour la documentation, ça se trouve très facilement sur le site de la FIFA. Est-ce qu'il y a des examens pour avoir des diplômes comme pour les entraîneurs? Partout dans le monde, il y a un examen à passer. On va parler maintenant des joueurs, du rapport que vous avez avec les joueurs, des joueurs que vous avez sous contrat. Qu'en est-il? Alors moi, pour ma part, je représente au Maroc une société basée à Paris. Qui exerce cette activité depuis bientôt 10 ans. Alors on travaille notamment avec Abu Dhabi d'Arsenal, on travaille avec Charlie Tanch qui est passé de Liverpool en Grèce. On a de très bons joueurs et de très bons calibres et on gère vraiment de gros dossiers. On est plutôt orienté vers le football européen, mais pour ma part, ma spécialité, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient. On te demande quoi comme formation exactement? Que demandent les instances fédérales pour donner droit à exercer ce métier? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être agent, mais l'idéal dans notre cas, c'est d'être agent FIFA, c'est-à-dire avoir la licence FIFA. Mais pour accéder justement à cette licence-là, il y a un certain nombre de prérequis. On doit par exemple justifier d'une expérience d'au moins 6 ans dans le foot, pour avoir un casier judiciaire vierge. Alors il existe plusieurs paliers. On commence généralement par le scouting, où à ce moment-là on n'a pas besoin d'une affiliation particulière, on repère et on signale. Notre travail s'arrête là. Mais à partir du moment où on a cette envie de rentrer en contact avec les clubs pour donner son avis, d'officialiser un petit peu les choses, on doit effectivement être licencié FIFA. Une licence FIFA s'acquiert à un niveau local, c'est-à-dire dans chaque pays. Chaque pays a sa propre réglementation qui permet d'accéder à ce titre. Les règles sont généralement les mêmes partout dans le monde. Donc on va parler un peu d'un sujet délicat, c'est ce qui est beaucoup apparu dans la presse au niveau de l'équipe nationale et du rôle de certains agents dans la création du Discord, l'insistance auprès des entraîneurs pour faire passer un joueur par rapport à l'autre, alors que l'équipe nationale n'appartient pas aux agents. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'agent? Je pense que le rôle principal d'un agent est d'abord de protéger ses joueurs, c'est-à-dire leur travailler sur le fait qu'ils aient de très bonnes conditions, qu'ils puissent gagner en temps de jeu et tout ça. Je pense que s'il y a un reproche à faire, le reproche doit être fait à ceux qui ont permis justement à ces agents d'accéder à l'hôtel, déjà où l'équipe nationale était en concentration, et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'abord, il faut avoir cette déontologie. C'est une conscience professionnelle et c'est aussi un esprit déontologiquement parlant. On ne va pas aller en concentration d'équipe nationale et dire à un coach « fais ci ou fais ça ». Mais après, si le coach tend son oreille et qu'il écoute l'autre et qu'il prenne le message, on ne peut en vouloir qu'au coach. Donc, pour conclure, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce moment. Moi, on peut rester plusieurs heures à parler de football parce que c'est un sujet très passionnant. Mais je ne vais pas vous prendre plus de temps, mais je vous remercie d'avoir collaboré avec nous. Ben, tout le plaisir est pour moi et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler effectivement bientôt. Merci beaucoup.